Allons voir Gloria, Gloria au théâtre ouvert. Le rendez-vous théâtre. Gloria, une femme énergique qui porte son monde à bout de bras. José, son mec taiseux qui cherche du boulot au café du coin. Paul, celle pour qui elle bosse, incontinente fécale. Gloria prend soin d'elle-même, reçoit surtout des récriminations. Heureusement, il y a Rita, sa copine. Elle se parle 30 fois par jour. C'est Rita qui raconte l'histoire. Ça commence comme une journée normale. 5h30, réveil, cigarette. Dans l'après-midi, Gloria diverge. Comme une bombe explose. Elle va remettre tout son univers à zéro. José, Paul, Rita aussi, à sa façon. Ils vont tous y passer. Et puis Gloria va partir avec une étrange Vierge Marie. Un texte de Marcos Caramés Blanc. Une mise en scène de Sarah Delaby-Rochette. Il va falloir la suite. Bourré de trouvailles et de références pop culture. Un bruitage au plateau hypnotique. Un bouquet final qui manque singulièrement de puissance. Rita, Gaïa Oliargines, et Gloria, qu'a-t-elle Jean, ont chopé mon attention dès le début. Elles m'ont intéressé à cette vie au départ banale, jusqu'à son explosion. À la fin, c'est pour Rita, bousculée puis laissée au bord de la route, que j'éprouvais de la compassion.